bondeko Congo e kolonga Congo pitoko Congo mayele Congo bomengo Congo ya bakoko Congo boboto Congo ya kimia tobongisa Boyokani eme maka kimia na kinyande tokotonga mokai pena mosala tokolongai na makasi akuno tosala totonga tobongisa tosangisa mpe mololi totikela basusu mabele makoko batikela biso tobatela yango malamu e lobi bana bakotuna tuna nini tosala Spectateurs, vous êtes toujours et à l'heure de Cube Parade. Ce dimanche, nous allons avoir comme invité, oui, c'est Kalidiato. Faites attention parce qu'il est revenu il y a une année avec Marie-France. Marie-France, que vous avez suivi dans les médias ici au Congo comme à l'étranger. Kalidiato est notre invité parce que nous courons vers le 15 août, la fête du 15 août, et il est notre invité ce dimanche. Bonjour, monsieur Kalidiato, cher aîné. Bonjour, Belémar. Bonjour, les auditeurs et les téléspectateurs de Télé Congo. Maman, hier soir, j'ai rencontré mes deux amis qui sont rentrés du village. Ils m'ont dit que tu as beaucoup maigri et que tu pleures beaucoup. Que ta case a été emportée par le vent. Parce que tu penses que depuis que j'ai quitté notre village, j'étais oublié et abandonné à cause des femmes de cette ville. Cela m'a fait de la peine, si bien que toute cette nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Ça va, cher aîné? Tu vas bien? Oh oui, ça se sent, hein, quand même. Maman. Oui, on va comme ça. Ça se sent que ça va. Vraiment, j'ai le bon papier. Oui. On va le rappeler aux téléspectateurs que présentement, vous êtes en France. Ça fait plus de 2 ans ou 3 ans. Ah non, ça c'est la 6e année déjà. Ça coule quoi facilement là. 6 ans. 2028 et la COVID est venue te trouver en France, c'est ça? Oui, exactement. Je suis parti du Congo pour des raisons de santé et puis voilà, je suis là pour me faire soigner et en profiter de faire ma musique comme il se le doit. On va pas rappeler les plus simples temps. Mais entre toi et moi, c'est une émission de plein d'émotions, non? Oui, exactement.
Exactement. Et donc, je disais, on va partir du commun indépendant jusqu'à te rattraper, toi. Je vais te tutoyer, Oui, Khalidiatou. oui, oui. Ah oui, ah oui, après tout. Vous êtes les enfants du Congo socialiste scientifique. Non, moi, je suis un enfant de d'avant l'indépendance. Oui, mais 3 ans avant l'indépendance. je dis de toi parce que tu es artiste musicien. Mais Ah vous, oui. votre temps, c'était le temps du Congo socialiste scientifique. On Oui, vous trouve les pionniers, les les anges, pionniers, les anges. on a Zao, on a Les cols bleus, les cheveux crépus. les cheveux crépus, Bolloplotère, en fait, Oui. tout ça. Et Pembe Chiro, qui avait Oui, fait un titre. Pembe Chiro, oui. Exactement, Pembe Chiro, Charles Tchikou. Charles Oui. Tchikou. Oui. Vous êtes comme du néant, c'est vrai que vous n'étiez pas dans Les Anges, le groupe Les Anges, Ah ben non, mais. ah non, 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 non. J'étais dans Bilingué Sakana, qui était l'un des meilleurs orchestres amateurs de Brazzaville, avec les Félix Akuala, les Michado, les Baudouin, les Fiscos. Mais moi, je n'étais pas vraiment en avant-poste, hein, en avant-poste. J'étais musicien, mais un peu comme un peu dans la galerie, voilà, dans la galerie. Et de temps en temps, je participais à des concerts. J'ai commencé par Bilingué Sakana. Et un peu de Guillemets, pardon. Est-ce que vous avez les nouvelles de Fiscos? Ah non, Fiscos, ben non, malheureusement, non. Non, non. Vous savez, quand on s'est éparpillé, je ne sais plus là où il est. Mais j'aurais entendu dire qu'il devait être en RDC. Je ne sais pas s'il est toujours en RDC. Est-ce qu'il est en France? Je ne sais pas en tout cas. D'accord. Et premier salaire, j'ai encore dans la tête la première édition de RFI Talent. Où vous êtes en duel Oh. entre Zao et ta personne, Kalidjato. Non, non, non. Moi, je vais vous surprendre. J'avais le vent en poupe. Et on est venu me proposer pour que je parte au concours de RFI. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non, moi, c'est pas mon problème. Parce que je voyais très loin. Je me disais, si je me mets dans l'engrenage des RFI et tout, non, 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 non. Moi, je voulais faire ma musique de façon simple, libre, sans. Voilà. Et j'ai refusé, j'avais refusé. Et c'est en ce moment-là que Zawé est allé faire sorcier en sorcellerie à RFI, qui l'a propulsé, bien, bien, bien entendu. Mais moi, j'avais refusé. J'avais vraiment refusé. Parce Est-ce que que vous savez, j'étais dans un contexte universitaire. J'étais à Bayardel. Et vous savez, le milieu universitaire est tellement critique que on m'aurait critiqué pour avoir abandonné les études. Mes études, alors que j'étais en géographie, l'un des départements les plus corsés de Marien-Guabi, on m'aurait dit, bah voilà, il a fui la géographie pour aller se confier à la musique. C'est un peu la même situation que Nzoumoussou, d'ailleurs. Nzoumoussou aussi a eu les mêmes problèmes. Moi, j'avais refusé. Mais après, vous êtes détrôné. C'est vrai que vos titres marchaient fort, mais Missing vient sortir avec Pierre Moutoiri et ça vient te casser les pieds finalement, Missing. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais parce que Missenge s'était fait en France avec les masters Mwana Congo, les grands solistes, les grands musiciens. Or, nous, on l'a fait à Brazzaville dans les conditions qui étaient les nôtres. Et encore, je peux dire que bravo pour Zao, parce que Zao, il a eu la chance d'aller faire son disque à l'IAD. Or, moi, je l'avais fait chez Freddy Kebano. Donc, les conditions d'enregistrement n'étaient pas réunies. Et moi, j'accepte vraiment, j'accepte très volontiers que Missenga est venu nous écraser. Oui, ça, c'est vrai. Sorcier en sorcellerie, c'est du jamais vu. Sorcier en sorcellerie, c'est du jamais vu. Il avait déjà mangé 9 têtes de lion.
cette fois-ci, on va parler de ton actualité. On parlera de ce que tu es maintenant. En fait, tu restes dans la musique. Hein. Tu restes dans la musique. Tu nous as lancé un petit bain avec ton cadet, Ladis Sakad, maman, de là-bas qu'on appelle maman. Et après, il y a 2 ou 3 ans, tu nous as lancé Marie-France. Et donc, ça veut dire Marie-France que c'est le retour de Kali Diatou. C'est Marie-France, oui, Marie-France que j'avais créée depuis le Congo. Et j'ai trouvé Félix Oubaka qui avait travaillé la chanson Zoubakila avec moi au Congo. Et je lui ai fait la proposition de travailler et Marie-France et Zoubakila. Et c'était un coup de maître d'ailleurs. Vraiment, c'est... Ah oui, ça, franchement, je reconnais que Marie-France est venue me replacer, redorer mon blason. Ça, c'est vrai. On est resté sur ce Kali Diatou qui est comme un vin qui se bonifie et le vin est bon, finalement. Ben oui, mais quand j'enregistre Marie-France, j'ai les fichiers entre mes mains. Je les fais chez Félix Oubaka. Et je vais voir Albert Mondoso à qui j'ai fait écouter, il me dit, ça, tu ne peux pas rater ce produit-là. Il faut qu'on amène ce fichier-là chez les musiciens cubains pour qu'ils y mettent leur savoir-faire. Et quand j'amène le produit chez un musicien qu'on appelle, un arrangeur qu'on appelle Luis Mareza, celui qui travaillait les chansons de José Misamo, celui qui travaillait les chansons de Sam Mangwana, celui qui travaillait la plupart des grandes chansons des grands musiciens, des grands musiciens, quand il m'a reçu, alors vous savez, il me prenait pas vraiment au sérieux, mais quand il a mis le fichier sur la table, il a dit ça. Mamma mia, ça vraiment, je vais mettre tout mon savoir-faire. Et ça fait qu'il a fait ce qu'il a pu faire et il a mis à côté de moi, à ma disposition, sa copine qu'on appelait Andrea, elle dit, tu chantes avec ce garçon-là parce que c'est ça. Et ça fait la bombe que ça a pu faire. Facile à dire, difficile à faire, c'est d'apprendre à t'oublier. Facile à dire, difficile à faire, c'est d'apprendre à t'oublier. Marie-France, ma bien-aimée, ne t'en va pas. Marie-France, s'il te plaît, ne me quitte pas. Chérie, je t'aime et tu viens me dire d'apprendre à t'oublier. Chérie, je t'aime et tu viens me dire d'apprendre à t'oublier. Marie-France, mon cœur brûle, je suis désespéré. Marie-France, je te prie, ne me quitte pas. Les souvenirs de notre amour sont plus durs que le silex. Marie-France, prière du soir, je suis avec toi. Marie-France, s'il te plaît, ne me quitte pas.
que je souffre cruellement de savoir qu'on doit se quitter éternellement. Accorde-moi l'ultime chance, mon amour, ma défense. Viens me dire dans mon sommeil, me pardonne finalement, ma défense, prière du soir. Marie-France, dernier espoir. Marie-France, couchant au soleil, ne me quitte pas. La la la. Beau genre de la renaissance de Khalid Jatou. Là, vous nous revenez avec plus ou moins 12 titres. 12 titres. 13 titres. Parce qu'il y a un titre, il y a un titre à problème. On va en parler. Oui. Un titre qui était refusé. Si vous voulez, on va commencer à dire. C'est quel titre finalement qui n'est pas accepté par. Il y a deux titres. Il y a le titre Tandoko na Tabwimi, qui est une véritable belle salsa, faite par Antoine Manana au Congo. Et il y a la chanson Mama. Parce qu'il y a Mama ni Mama, quoi, que j'ai fait avec la 10 arcade. Mais il y a l'original de Mama ni Mama, quoi, qui est Mama. Et Mama, donc, quand j'étais à Pointe-Noire, j'ai enregistré des chansons chez Das Mapuya. Et j'ai remis mes chances, mes fichiers chez Joris Mabiala. Joris Mabiala, venant à Paris, a contacté Syriac Wasoka, Père à son âme. Il lui propose le disque pour qu'il puisse les ventiler, puisque Joris Mabiala n'avait aucune maîtrise sur la production phonographique. Et malheureusement, il semblerait, voilà, je préfère dire la vérité. Donc, dans la déclaration des œuvres au niveau de, sur les plateformes, il a mis son nom. Syriac a mis son nom. Et quand mon tour arrive pour déclarer mes chansons pour vouloir faire le disque, on me dit, monsieur, la chanson de Maman est à nouveau, mais elle ne vous appartient pas, elle appartient à monsieur. Il dit, mais il est malheureusement mort et je ne peux pas vous démontrer que c'était mes propres chansons. J'ai sorti les fichiers, les documents de la SACEM qui prouvaient que c'était mes chansons, mais vous savez, là-bas, c'est comme ça. Donc, en attendant que le disque ne puisse connaître un retard, mais j'ai remplacé les fichiers de Pourquoi tout pour emmener le village et les nuits par Maman et la chanson Tandoko na Tabwimi, mais j'ai remplacé par Sabine de Ploum Ploum. Voilà. Mais est-il que les chansons m'appartiennent? Elles sont reconnues à la SACEM en mon nom et je ferai de telle sorte que je puisse récupérer mes droits pour que les chansons, puisque les chansons avaient déjà publié avant, bien avant. Ouais.
Donc, on va comme ça citer premier salaire, Marie-France, maman. ah oui, premier salaire quand même, faut reconnaître que c'est une nouvelle touche avec Félix Oubaka. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a l'apport de Michel Raffa. Ah, Michel Raffa, il a mis vraiment du paquet. On retrouve même sur une des chansons, Nzonzi Zamakwela, Michel Ah Raffa. ben oui, ah oui, ah oui, ah oui, ça c'est Raffa, oui. Ça c'est du craché. Le mot qui est rentré dans tous les ménages en France. Actuellement, parce que c'est une chanson que j'ai écrite pour les maîtres de cérémonie des d'autres, les Nzonzi, Et actuellement, cette chanson-là, elle est en train, elle devient maintenant l'hymne de toutes les d'autres parce que ça concerne les Nzonzi. Et à chaque Nzonzi, à chaque cérémonie, balance la chanson. Et vous n'allez qu'à voir les nombres de vues, ça commence à, ça grimpe de plus en plus. Donc, ça fait la concurrence entre premier salaire et Nzonzi Zamakwela. Si bien que même Marie-France arrive maintenant en troisième position, alors que c'est Marie-France qui a fait l'éclosion. De quoi sont faits les jours de Khalid Diatou en France, côté artistique? Ben, ah, je pouvais imaginer que je suis dans une sorte de bibliothèque, mais qui ressemble également à mon studio d'enregistrement. Je ne peux pas retourner malheureusement la caméra. Je passe toute ma journée en studio, en train de faire de la gratte, en train de faire des programmations. Mais je travaille plus que quand j'étais au Congo. Et tu regardes quelque chose. Et puis de temps en temps, je suis invité à des festivals, à des concerts, des tournées. Et on vous a vu à la guinguette de Suresnes. Ah, mais en fait, la guinguette devient maintenant. Tu veux que je te dise, hein? Tu veux que je dise aux Congolais de toute notre République du Congo, là. Mais la guinguette, c'est comme l'Olympia pour les musiciens congolais de moi. Semblable. En tout cas, d'ailleurs, là, j'ai vu la liste arcade qui était jouée avec les chapeurs. Donc, ça. Et maintenant, nous avons eu la chance, parce qu'à côté de Célestin Sunda et Kabaye, il y a un autre Français qui est là, qu'on appelle Franck Freud, qui est en train de travailler avec lui. Et figurez-vous qu'il y a la complicité du maire de Suresnes. Donc, le maire de Suresnes gère la guinguette. Donc, quand tu vas jouer à la guinguette, eh bien, toute la visibilité de cet arrondissement-là, est derrière toi. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on y trouve beaucoup plus une mosaïque de population. Il y a des Français, il y a des étrangers, des touristes qui viennent nombreux là-bas. C'est vraiment bien. Et beaucoup d'Africains qui viennent. C'est vraiment un lieu de convergence. Pour moi, je dis bien que c'est l'Olympia des Congolais. C'est le zénith des Congolais de Brazzaville. Parce que nous, en dehors de Rogaro qui joue un peu dans les grandes salles, nous, les Congolais de Brazzaville, je ne sais pas si tu as des affiches des Congolais de Brazzaville dans les grandes salles. Je ne sais pas, je ne sais pas, je n'ai jamais vu. D'accord. Donc, je crois que c'est mieux de commencer par la guinguette, faire une ceinture de sympathie à travers la guinguette, et pour que plus tard, quand on va solliciter les grandes salles, que les gens viennent. Et moi, vraiment, je travaille conséquemment pour ça. Et d'ailleurs, l'année passée, on a vu Roga commencer par là, hein. Ah oui, en tout cas, il y a les Cheryl Oello, des Ivoiriennes, des Gabonaises qui vont là-bas. Et franchement, la visibilité est évidente quand tu joues à la guinguette. Et moi, je suis rentré heureux parce que ce jour-là, il y avait les écrivains. Il y avait les écrivains. Eh ben, belle sympathie, belle participation. Il y a eu même un mécène de Taboulé qui est venu. Et il a pris le micro, il a dit, ah oui, il a pris le micro, il a dit, le monsieur là, vraiment pour moi, c'est le remplaçant de Taboulaye. Parce qu'il a vraiment, il incarne Taboulaye dans sa façon de faire. On va dire le nom du mécène. On va dire le nom du mécène. Le mécène, c'est Yoro Ah, voilà, Yoro-Cham, voilà, c'est vrai. Voilà. Mais vraiment, il a pris le micro, hein, en plein public, il a dit, Naïvita Bino va congolais, on est déjà là. Mais ça, c'est un grand monsieur qui est devant vous. entre nous, congolais. Nous, là, nous, là, nous, Toyebana. Bissi, Abini, Acho, Lady Bana, Congo. Beto, la belle, le bois, la mossi, Beto, Kebana, ya, Congo.
C'est un texte que j'ai écrit avec mes tripes. C'est un très, très, très sérieux texte. Mais je l'ai placé à la fin de la chanson pour que, quand tout le monde aura dévoré les chansons de Khalid Jatou, quand ouais, il voudra bien se débarrasser, il se rendra compte qu'il y a l'une des meilleures chansons de cet album-là. C'est Entre nous. On va terminer par un a cappella, certainement de premier salaire, pour en tout cas. Ah. Ça, c'est la ville de France à Poto-Poto, en 1978-79. Et allez, Gombe, maman. Et allez, Gombe, maman. Et allez, Gombe, maman. Yo, il y a des problèmes, maman. Premier salaire, il y a des problèmes, maman. Premier salaire, il y a des problèmes, maman. Premier salaire, il y a des problèmes, maman. Yo, il y a des problèmes, maman. En tout cas, Khalid Jatou, nous sommes très heureux de t'avoir sur ce plateau pour juste ces petites minutes d'interview. Ouais, c'est calme. Allez. Merci beaucoup, merci. Marie France, mon trésor, ne me quitte pas.